Salut à tous, donc c'est parti. Donc je me suis mis de l'autre côté de la cascade car il faut tout simplement passer par là. Et voilà le jean. Putain, là je viens de recommencer la vidéo pour une connerie. Vous pouvez pas savoir comment c'est con. Vous verrez ça parce que de toute façon je vais le remontrer. Putain, ça fait chier en plus. J'étais bien à 5 minutes de vidéo. Enfin bon, on s'en fout. Donc on va récupérer ce jean. On va mettre la météore. Voilà, il est mort. Voilà, merci de laver les cheveux. Alors, une force naturelle des alliés, ouais, ça doit accroître l'affinité ou je sais pas quoi. Bon, ouais, vous voyez que déjà les effets des jeans sont beaucoup plus diversifiés que dans le 1. Merde, n'importe quoi. Enfin, comme ça, vous voyez ce que ça fait si on fait quand il n'y a pas de sable. Excusez la con. Donc voilà, on est plus rien à faire ici. J'ai peut-être oublié, bon, une arme à la con. Mais de toute façon, il y aura plus tard dans le jeu, il y aura mieux, donc c'est pas grave. Voilà, un autre cuir. Donc vous allez me dire, mais comment tu sais qu'il faut faire ça? Faut faire Rochaud, faut faire Mandaya, machin. Bon, bah moi, c'est parce que j'ai déjà fait le jeu, mais... En fait, normalement, quand on fait le jeu la première fois, ben, on peut pas le savoir. Juste qu'on se balade avec le bateau, on voit, tiens, là, il y a une île avec un... Avec une montagne, hop, et puis on le fait quoi. Parce que je vous dis, vu que le jeu n'est vraiment pas linéaire, on n'est même pas obligé de le faire dans cet ordre-là. On peut très bien faire Rochaud avant le Mont Gaïa par exemple. Mais c'est pas logique. Vu que je vous rappelle que le Mont Gaïa, on obtient. Pour le Mont Gaïa, on obtient. Comment ça s'appelle? Sable. Et dans la ville juste avant Rochaud. Il y a un jean qu'on a grâce à sable. Donc ça prouve qu'il faut d'abord faire le Mont Gaïa avant quoi. Et après c'est pas obligé de le faire en premier quoi. Par exemple là je vais aller à Tundra, qui se trouve comme son nom l'indique dans la neige là. Et si j'avais pas pris à sécher avant, bah, j'aurais eu des petits problèmes dans la tour de Tundra. Donc là on va devoir accoster ici. Faire tout ça à pied. Voilà, on arrive bientôt au truc. Ok, merci l'info. Et on va s'arrêter ici pour une petite escale, le début de la quête des animaux. Donc vous saviez où j'étais bloqué avant? Ici. Parce qu'en fait j'appuie sur gauche comme un taré et ça marchait pas. Mais en fait c'est tout con, il suffit de laisser le bouton appuyer et puis voilà, ça sautait tout seul. Vu que je suis un boulet, j'ai mis 9 heures pour comprendre ça, j'ai coupé la vidéo, j'ai fait de la merde. Donc voilà, vous voyez là le pingouin. Bon, si on fait télépathie sur lui, il dit oh, y a ma pinguline qui est perdue, machin. Lui ramener, donc vous allez voir comment. Voilà, tout simplement toc toc, oui, ensuite paf. Alors, je vous le montre hein, si vous voulez. Télépathie, je crois pas que les pingouins savent nager hein. Enfin, c'est plutôt des manches. Oui, on s'en fout. Quoi? Merde, quel con. Ok, c'est reparti pour un tour. Il fallait pas faire ça. Non, désolé.
Ah non, c'est bon, le bois y est encore. Vous avez vu, c'est bien foutu parce que vous vous dites et d'où il sort le tronc? On voit la souche de l'arbre en haut. Voilà. Donc là, faut le ramener de l'autre côté. Elle baisse à la jambe, mais on la traîne comme une merde. On a des statuettes là, vous voulez même pas quoi. Regardez, il est content. Télépathie. Belle pierre. Voilà, donc c'est le début de la quête des changes qui nous permettra d'aller sur l'île du temps. Voilà. Attends, on va voir ce qu'elle dit pour le fun. Bon, voilà. Cette île ne sert qu'à ça. Voilà. Du coup, je vais remettre vision. Les porte-bonheur, c'est important. Hein. Parce qu'il y aura une fontaine comme dans Toll Bill. Non, je m'entends. Voilà. C'est le problème. Ah, énorme, j'avais oublié ça. Eh mais laisse-moi. T'arrives. Ah c'est énorme les pingouins. Je me rappelais pas de ça. Donc là voilà. Et on va maintenant aller. Vous voyez. Il y a des pics donc on ne peut pas aller ici en fait. Pour l'instant. Parce que bien sûr, plus tard on ira. Tous au paradis. Voilà. Donc cette île, je crois qu'il n'y a que la tour Toundra dessus. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Je suis pas sûr, mais bon. Enfin, s'il y a un djinn. Vu la taille du truc, on s'en était douté. Ça fait penser à l'œuf de la Vos, le petit truc, là, le flapus. Écureuil. Ils ont franchement des noms de Pokémon. Là. C'est comme dans les Dragon Quest, ils ont le nom de Pokémon aussi. Enfin, je dis nom de Pokémon parce que c'est des jeux de mots à partir des trucs, mais ça existait avant les Pokémon. Là. Enfin, pas Golden Sun, mais Dragon Quest, ça existait avant les Pokémon. D'ailleurs, je sais pas si vous avez joué au remake du 5 sur GBA, où on peut avoir des monstres, mais c'est de là que vient Pokémon en fait. Hein. Ils sont inspirés de Dragon Quest 5. Bon, les monstres c'est pas du tout les mêmes, mais ils sont inspirés du fait d'avoir des monstres, machin. Merde. Laissez-moi trois. Bon. Je vais pas les laisser faire. Attendez, y'a pas mieux. Allez, le Gaïa, c'est moins cher. Voilà, qu'on finisse. Oh le con. Attendez. Gaïa. J'ai toujours aimé ce truc. Enfin, toujours pas mort. Allez, Toundra. En plus, ça tombe bien, on est à Toundra. Et je l'ai tué en plus. Allez, hop. Ouais, aura cure. Enfin, je dis aura cure tellement vite, mais on aurait dit que j'ai dit racure. Bon, voilà. Putain, j'ai vraiment rien à dire, je dis de la merde, putain. Laisse tomber. Donc là, vous voyez, on est entouré de roches. Il n'y a absolument rien, mis à part le djinn et la tour Toundra. On est là. Y'a rien en bas là. Non. Mais voyons, on va devoir stopper tout ce chemin à pied. On est qu'à la moitié là pour l'instant. Merde, je suis gouré. Attendez, je vais faire ça, ça ira plus vite. Tant, tant, tant.
Putain, mais ça marche pas le truc. Hein. Je fais esquive, je me prends mon juste après. Quoi. Alors que je venais de faire un combat en plus. Hein. Je sais pas si sur la neige on a plus de combat aléatoire. Je... Si c'est le cas, j'étais pas au courant. Hein. Voilà, c'est par là. Faut bien regarder la carte, sinon on se retrouve dans les cul-de-sac. Bon là, c'est... Il y a vraiment que ça hein, sur la carte. Eh oui. On va atteindre bientôt la tour là. Donc il y a un djinn, je ne sais plus où. Ah putain, je m'y attendais pas là. Non, je vous jure, je n'ai même pas fait exprès. Je dis ça et clac, le djinn. Ah bah tiens, protection. Ça c'est fun. C'est un peu con de faire ça vu que je fais que des petits nervis, pardon. Là, je tombais dessus tout à fait par hasard là. Ouf. Ouh. Putain, Lina elle a mangé. Putain. Putain, j'ai vu personne pour me soigner là. Non. Ah. C'est pas possible, c'est quoi ce dégât de taré? Putain, il fait des putains de dégâts avec son truc. Hein. Bon, j'ai aussi fait un petit peu à la bourrin comme un boulet, mais... Voilà. Donc on va le donner. Bien sûr. Ouais. Qui fait quoi d'ailleurs? Empoisonne. Ouais. Ouais. Vu son nom, c'était un peu vite. Ouais. Bon. Voilà. Alors où est la tour de Toundra? Quoi? Elle est pas là? C'est ces conneries encore. Ah et merde, je suis con, elle est là. C'est vrai qu'elle est au pic nord, ils nous l'ont dit tout à l'heure en plus. Mais bien sûr, j'ai oublié. Ouh. Puissant. Bon, on s'en fout. Vous voyez, il y a des djinns qu'on peut avoir vraiment sans faire exprès. Voilà. La tour de Toundra. Donc là, vous voyez, on peut passer que si on a asséché. Voilà. Et donc, en parlant d'asséché, ben, on va l'utiliser. Ça sèche qu'un côté, bien sûr. Là, comme ça, on saura par où, qu'est-ce qu'on a déjà fait et qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Je vais un peu au pif, là, je vous l'accorde. Hein. Ah bon, on trouve les mêmes ennemis que sur la carte. Donc, pas très puissant. Hein. Tiens, on va tester son rayon rond, elle. Elle, tornade. Et lui, bon, ça devrait suffire, tout ça. Puissant. Glacier, ok. Par contre, les synergies d'eau, je les trouve toujours trouvées super moches. Enfin, pas super moches, mais comparé aux autres, bof. Bof, quoi. Il y a Frey, Méga Frey et Giga Frey là qui sont beaux, mais les autres. Prima Toundra, c'est moche. Enfin, quand j'appelle ça moche, je veux dire par rapport aux autres. Ah, la musique est pas mal aussi. Alors, ça, c'est les énigmes qui me rappellent beaucoup. Pokémon encore une fois. Je parle que de Pokémon mais bon. Et parce que dans Pokémon il y a des trucs comme ça. Dans le truc de la team en fait.
Merde, mais c'est l'agilité, pas la chance, mais quel con. On va pas grave. En plus, ça augmente pas mal hein, quand même. Alors ça, j'adore ce genre de niveau. Je suis pas très fort comme vous pouvez le voir, mais j'adore quand même. Je crois pas qu'on puisse aller de l'autre côté là. J'avoue, je puce pas trop trop. Ouais, je crois pas qu'on puisse aller à gauche en fait. Je crois pas qu'on puisse aller à gauche. Par contre, on peut aller en haut de l'échelle, ça c'est certain. Alors que je trouve comment on fait. Putain. De toute façon, là j'ai pas le choix. Non, mais c'est pas ça, putain. Je suis paumé là, je vous l'avoue. Putain, n'importe quoi. Au pif, là, je vous le dis. En fait, c'est le truc du milieu là qu'il faudrait atteindre, mais comment? Faudrait arriver en haut du truc là, ouais. Bon, j'adore, j'ai dit j'adore ce type d'énigme, mais je suis pas des merdeurs là. Voilà, je sais pas. Je suis paumé. Si on fait comme ça. Ah! Attendez. Ouais. Ouais. Ah, mais là, ça fait de la merde après. Ouais, puis vous savez quoi? Je perds du temps là. Donc à la prochaine. Allez, salut.